crème brûlée de blé noir et d'huile de poivre. Bon, si vous voulez, moi je vais. Ah ouais. Oh non, bah dis donc, elle demande l'autorisation. Oh, bah vous savez. Bah, on va changer de carte là. Si c'est là ou pendant l'été. Madame, monsieur, c'est comme ça dans les embouches, une crème de chou-fleur et moule et son bouillon d'ortie. J'ai pensé de prendre les trois en même temps, sans mélanger. Variété de pain maison, dont un pain à la pomme de terre. Ici le brioche navette de homard, betterave en évolution, lait de coco et vinaigrette truffée. Bon appétit. Ici les papillotes de langoustine au basilic, petites saucisses et ananas en aigre doux. Bonne continuation. Madame, c'est le carré d'agneau rôti, gnocchi de chèvre frais, poudre noire et ses légumes verts. Sur les rouleaux de sol. Petit pois et girolles au chorizo et froment beurre. Bonne continuation. Donc, chocolat en écume de basilic et gaufre au sucre. Voilà, je conseille de ne pas séparer les trois éléments qui constituent le petit. Voici les dentelles fourrées à la rhubarbe avec fraises et tomates en variation et crème glacée au laurier. Vous avez des fraises de tomates en salade et vinaigre balsamique. Vous avez une crème de tomates froide et une infusion de fraîche. Alors, le chef conseille d'apprécier le dessert de la gauche à la droite. Au chocolat et pralin, crème brûlée à la vanille, mirliton aux amandes, financier aux pommes, tartelette à la fraise, cannelé bordelais, moelleux chocolat coco, truffe caramel chocolat, caramel au beurre salé et guimauve mentholée. Langoustine rôtie, boudin noir, pomme et amande, vinaigrette celtique. Quiche de renne en structure, paella en évolution, crème brûlée de sarrasin et d'œufs de foie gras, et cornets de tartare de Saint-Jacques, crème wasabi, crème sandwich au sarrasin. Donc le chef conseille de mettre un quiche de renne en structure, poursuivant par la cuillère de glace, ensuite
la crème brûlée savarin. Et finir par une petite omelette. Le poulet truffe. Le chef vous conseille de bien aller au fond de la tasse et de prendre les différentes saveurs. Le beurre de baranne de chez Bordier. Les vinaigrettes et le citron. Alors le chef vous conseille d'aller manger par tranche. Peu difficile de séparer les éléments à l'intérieur des œufs. D'accord. Merci. Oui, voilà, c'est ça.